aller en pleine forme aujourd'hui. Exactement, je me suis régalée à midi, j'ai mangé une bonne salade et puis aussi un beau poisson pêché par mon mari. C'est vrai que c'est bon ça, la salade avec le poisson. Bon, allez, veuillez m'excuser, j'ai du travail à la maison. Au revoir, monsieur le curé. Au revoir, madame Lily. Tiens donc, monsieur le curé, comment allez-vous? Très bien, merci. Dites-moi, ce n'était pas madame Lily, là? Si, si, justement, elle me racontait qu'elle avait mangé de la salade avec du poisson. Ah bon? Comme c'est curieux. Bon, veuillez m'excuser, je dois passer chez le boulanger. Eh bien alors, à bientôt, monsieur le curé. Bonjour, monsieur facteur. Bonjour, mon ami. Dites-moi, vous connaissez la nouvelle? Quelle nouvelle? La salade de madame Lily, il y avait du poison. Non, pas possible. Et que si, c'est monsieur le curé qui vient de me le dire. Allez, au revoir, monsieur Jean, faut pas mourir. Je dois finir ma tournée. Au revoir, monsieur le facteur. Ah ben, ça alors. Et moi donc, monsieur, j'aime le rhum. Figurez-vous que madame Lily s'est empoisonnée avec une salade. Empoisonnée? Oh là là, quelle catastrophe! Vous gardez ça pour vous, monsieur, j'aime le rhum, n'est-ce pas? Bien sûr, monsieur, j'en fous pas vous. Alors, à plus tard, monsieur, j'aime le rhum. Bonjour Jean-Marie. Dites, vous le saviez-vous que madame Lily s'était empoisonnée? Bah non, vous me l'apprenez. Et il paraît même qu'elle est bien malade. Pauvre madame Lily, elle n'a vraiment pas de chance. Oui, c'est bien tout. Je vais prévenir discrètement monsieur le curé. On ne sait jamais. Allez, au revoir Jean-Marie. Au revoir monsieur Jamilera. Bonjour Marie, comment ce soleil? Oh, rien de bien, Claudette Fleur. Il paraît que madame Lily est très très malade. Elle a été empoisonnée. Comment la... Mon Dieu, est-ce possible? Puisque je vous le dis, mais surtout, ne le répétez pas. Évidemment, voici ce qui vous conseille. Au revoir, Jean-Marie. Oh, c'est vous, Claudia Choufleur? Oui, c'est moi, magnifique. Allons bon, laquelle? Il paraît que madame Lily est très très malade. Elle a été empoisonnée. Comment le savez-vous? C'est Jean-Marie. Et surtout, pas un mot. Comptez sur moi, Claudia Choufleur. À personne, hein? À personne. Discrétion assurée. Mais il faudrait peut-être prévenir monsieur le maire. Bien entendu, ne bougez pas, j'y vais. Forcément. Dites-moi, madame la cantinière, est-ce que je peux vous confier en secret? Pour sûr, peut-être vous, vous savez que c'est une malade. Eh bien, madame Lily va mourir, empoisonnée, voilà. Mais qui vous l'a dit? Claudia Choufleur. Ben, c'est son mari, pardi. Monsieur, j'empêche tout ça? Lui-même. Ah bon?
ça pour le coup. Bon, moi je vais téléphoner à mon beau-frère. Il doit en savoir dans le montage, il est journaliste. Madame la préfète, vous êtes quelqu'un de confiance, vous? Assurément, pourquoi? Vous n'allez pas le pas. Madame Lily a été empoisonnée par monsieur Jean Pachetou. Quoi? C'est bébé Jojo qui vous l'a dit? Oui, il vient juste de me quitter. Et surtout, ne parle à personne. Soyez sans crainte, madame du balai. Je resterai muette comme une carpe. Madame la Priscille, vous en faites une drôle de tête. C'est-à-dire que ne le répétez pas. Monsieur Jean Pêche-Tout-Plein a tué Madame Lily. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Pourquoi donc l'a-t-il empoisonné? Je ne sais pas. Je vais demander au coiffeur. Lui, il doit le savoir. Oui, oui, bonne idée. Mais vous, au moins, n'en parlez à personne. Je vous en prie, madame la poussée, ce n'est pas mon genre, voyons. Lucie Égoïne, comment allez-vous? Mal, Mylène, mal. Approchez. Monsieur Jean Pêche-Tout-Plein a tué madame Lily. Sans blague. Et on l'a arrêté? Je l'ignore. Plan de chou, le gendarme sera me le dit. J'y vais, mais chut, je ne vous ai rien dit. Mais je n'ai rien entendu, promis. Qu'est-ce qui se passe, la râleuse? Monsieur Jean Pêche-Tout-Plein a tué madame Lily. C'est sûr, il va aller en prison. Quoi? C'est incroyable. Pourtant, c'est la vérité. Si j'ai du nouveau, je vous appelle. En attendant, silence sur toute la ligne. Ne craignez rien, tu ne m'as jamais mis à faire des autres. Tiens donc, cette chère madame Mina Crayon. Comment allez-vous? Alors là, vous tombez bien. Ah oui? Pourquoi? Monsieur Jean Pêche-Tout-Plein a tué madame Lily. C'est sûr, il est en prison. Ah bon, vous en êtes sûr? Certaine, madame Corcou. Oh là là, quelle histoire! Entre nous, tombez bizarre cet endormi, monsieur Jean Pêche-Tout-Plein. Ah bon, vous aussi? Il avait un drôle de regard. Oui, et même une drôle d'odeur. On doit voir cet homme-là. Ou bien il se drague. Qui sait? Même les deux. Peut-être. Ça, c'est impossible. Mais enfin, tu vas devenir un assassin, tu m'aimes. Ah ben ça là, regardez, c'est bien monsieur Jean Pêche-Tout-Plein là-bas. Oui, c'est lui. Oh là là, il s'est déjà maîtrisé. Bonjour mesdames. Alors, on se promène? Ne répondez pas, cet homme est dangereux. C'est un ivrogne et un drogué. Un assassin, oui, félon. Et en plus, un prisonnier en cavale. Le temps est vraiment superbe aujourd'hui. Mon Dieu, quelle horreur. Fillon. C'est ça, Fillon. Au secours, au secours. Au secours, l'assassin s'est échappé, au secours. Ah ben ça alors, on dirait qu'ils ont peur. Ces deux pipelettes, ah je vous jure. C'est... Entre nous, vous voulez un conseil? Faites comme moi, allez donc à la pêche. Quand elle vous empoisonne, allez, salut la compagnie.